Bonjour à tous et bienvenue dans On Air. Ben non, on n'est pas encore en vacances, on est dans un studio de musique, même si ça ne ressemble pas, pour rencontrer Selena et Sofia. Ce studio, il est très beau, alors je vous fais visiter, parce que je pense qu'elles sont dans une des pièces juste ici. Dis-moi, dis-moi encore que la vie est belle. Répète-le-moi plus fort, juste au coin de l'oreille. Dis-le-moi encore. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Je vous fais la bise parce que au moins ce plaisir en plus du soleil. Alors, on est où? Où est-ce que nous avons invité? Dites-moi tout. Alors, on est chez Team for Action, oui. C'est notre maison de disques. On a participé au Francof. Les Francof, c'est... Ouais, les Francof. C'est le concours des francopholies de Spa, en fait. Et on n'a pas été dans les trois gagnantes, mais on a eu le prix Team for Action. Et du coup, voilà, on a collaboré avec eux. Et puis, ils vous ont signé, c'est ça? Voilà, voilà. Il y a le EP, là, qui vient de sortir. Ouais. Nous aussi, on a été séduits, c'est pour ça qu'on est là. Comment vous avez travaillé ce EP? Parce que vous connaissez depuis très longtemps, on peut dire, vu que vous êtes sœurs. J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Avant, j'écoutais beaucoup de rap. Et voilà, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à jouer un peu de synthé. Puis, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre la guitare. Du coup, elle m'a suivie. Voilà, on a été dans un atelier de musique, en fait, c'était une maison des jeunes, on va dire, et on a pris quelques cours comme ça pendant 2-3 mois. Attends, t'essaies de me dire qu'en 3 mois, vous avez appris à jouer de la guitare. Ouais, bon, c'était pas parfait non plus. Oui, mais attendez, j'ai une guitare à la maison, ça fait des années. Je peux vous dire que c'est pas parfait du tout. Non, on était tout le temps avec la guitare. Dès qu'on se réveillait, c'était comme si c'était Noël tous les jours, quoi. On avait la guitare qui était là, on était tout le temps... Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est plus centrée vers le folk et moi le post-rock, donc des musiques d'ambiance vraiment planantes. Et, oui. Et de là, on aime toutes les deux vraiment ce style. Et comme c'est fusionnel entre nous, direct, on n'a pas besoin de se parler, quoi. On se comprend directement. Oh, ah, c'est voilà. Beau ça. Ça oh, c'est beau. Mais on l'a appelé à l'aventure parce que voilà, on s'est un peu lancé. À l'aventure. À l'aventure. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on fonce. Alors si j'ai envie de rêver ou bien de casser la gueule, si j'ai besoin de liberté ou de faire tous mes deuils, non, ça sert à rien de riposter ou de venir tout commenter. Commenter, moi je m'en fous, je suis comme ça, un point, c'est tout. Moi je suis fan de Francis Cabrel et ouais. Pareil, vous avez eu l'occasion de bosser. Comment c'est passé? Comment vous êtes arrivé à vous rencontrer? On est passé à sa balance. Et c'est là qu'ils ont proposé à Selena de partir à Stafford, donc c'est l'école de Francis Cabrel. Et donc ces 10 jours, on est enfermé, on va dire, dans une petite maison. Enfin, une maison, c'est quand même assez grand. Mais là, il faut préciser qu'elle est partie toute seule. Moi, je pouvais pas y aller. J'étais frustrée. C'était que celle qui écrit. Ouais, c'était vraiment... quand je suis revenue ici, j'ai dû... hop, redescendre un peu de ton nuage et raconter tout à ta sœur, voilà, etc. Qui, mais j'ai quand même fait un petit Skype avec Francis Cabrel. Avant qu'elle monte sur scène, elle monte. Vous savez qu'on a aussi une petite tradition dans l'émission, c'est de demander aux artistes de nous apporter un objet. Ouais. Je vois plusieurs objets là. Là, le thé, il est pour moi. Le EP, je le garde aussi. Je devine que ça sera les livres que vous m'avez déposés ici. Mais alors, en fait, c'est Paulo Coelho. C'est un artiste, un écrivain qui m'a beaucoup aidé. Ça parle souvent du fait de positiver, de vivre ses rêves, voilà, c'est ça. Voilà, je me suis vraiment retrouvée dans ce livre et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans mes textes. On peut peut-être finir par un petit acoustique. Ok, pas de problème, souci. Je vois les guitares juste là, derrière. Donc, on va les prendre. Voilà. Moi, je vais finir mon thé et vous écouter tranquillement. Mais super, possible. Ok, pas de souci. Ose, vas-y, lâche-toi, dis-moi d'effacer tout autour les souvenirs d'autrefois qui nous rendent de plus en plus sourds. Rassure-moi avec tes longs discours. Prête-moi ton sourire et fais-moi tourner en rond. Construis-moi un empire, éloigne-moi de tout ça.
passion. Dis-moi encore, prouve-le-moi encore, répète-le-moi plus fort, allez, dis-le-moi encore, dis-le-moi plus fort. Oh, dis-moi encore, prouve-le-moi encore, répète-le-moi plus fort.